Notre église Saint-Pierre-Saint-Paul se dresse majestueusement. Elle recèle de nombreuses richesses artistiques. Nous vous proposons aujourd'hui de vous faire découvrir le transept sud qui illustre le livre des Actes des Apôtres. Voilà, nous sommes au transept sud, du côté de la lumière. C'est le vitrail des Actes des Apôtres, la contagion de la bonne nouvelle dans l'Empire romain avec deux acteurs principaux, Pierre et Paul. À début exceptionnel, lecture exceptionnelle. De bas en haut, certes, mais on va démarrer par les petits vitraux ronds du haut. Le tout petit à gauche, Jésus, enseigne. Il enseigne ses disciples. S'il n'avait pas enseigné, on ne voit pas bien ce qui se passerait. Et puis, celui de droite, regardez les moutons derrière Jésus. Et puis celui qui est un petit peu à ses pieds, regardez ce qu'il a dans la main, des clés. Je pense que c'est Jésus qui confie à Pierre ses brebis. Et là-haut, eh bien c'est la fin du confinement. Pour les 12 apôtres et Marie, c'est la Pentecôte. 12 apôtres parce que Judas a été remplacé. L'Esprit les pousse dehors. En pleine fête de Pentecôte, il leur donne le courage de parler et la merveille d'être compris par tous les visiteurs qui arrivent de tous les coins du monde de l'époque. On reprend une lecture normale du vitrail. On repart en bas, regardez. Les apôtres sortent. Le livre à la main, ça veut dire qu'ils enseignent. Mais la main de Pierre, le plus bavard, indique que ce qu'il dit vient d'en haut. Il parle de Jésus, mort et ressuscité. Et il y a tant de personnes bouleversées qu'à la fin du discours, il y a 3000 candidats au baptême. Heureusement qu'ils sont tous pour baptiser, hein. La communauté se met en place. Au programme, prière au temple, guérison. Ici, c'est un mendiant infirme qui est relevé par la main de Pierre. Pierre n'est pas seul, il n'est jamais seul. Ici, il est avec Jean, vous voyez, il est tout jeune. Le guéri danse de joie, il peut entrer dans le temple, ce qui n'était pas permis avant. Et à l'émerveillement général, Pierre et Jean en profitent pour un nouveau discours. 2000 de plus se joignent à la communauté. Écoute l'enseignement des apôtres, rompt le pain, participe aux prières, vive la fraternité. Le partage des biens, mais tout n'est pas si rose que ça. Et certains veulent jouer les saints en trompant les autres, mais mal leur en prend. Pour organiser cette communauté grandissante, il faut répartir les tâches. Et c'est l'institution du diaconat. 7 diacres sont mis pour le service des tables, mais de la parole aussi. Et voici l'un d'entre eux, c'est Étienne. Il témoigne à la synagogue de la merveille du Christ, mais il est mal reçu. Pour les responsables de la synagogue, penser que Jésus puisse être dans la gloire de Dieu est un blasphème. Étienne le paye de sa vie, il est lapidé. Regardez à gauche ce casque. Avec une épée, c'est Saül qui soutient les jeteurs de pierres, au point de devenir un des persécuteurs de la nouvelle communauté. Mais les membres ont quitté Jérusalem, allant porter au loin la bonne nouvelle, y compris jusqu'à Damas. Saül s'y rend pour arrêter le mouvement. Mais Jésus l'attend en route. Il l'appelle, le retourne, vous avez vu ça dans le vitrail du cœur, c'est Ananias de Damas qui le baptise. Lui aussi a été averti par un ange de bien vouloir se rendre dans la rue droite où Paul est hébergé. Il va devenir un des plus fervents soutiens de la parole de Dieu. À quoi voit-on que c'est lui? À l'épée. En avait-il une? Non, ce sera l'instrument de son martyre, mais ça nous permet de le reconnaître. Là, nous retrouvons Pierre. Il est à Jopé. Jopé, c'est Jaffa. Et il redonne la vie à Tabitha, une femme au service de tous. Mais là, il va se passer quelque chose d'encore plus extraordinaire que cette résurrection, un événement qui va bouleverser l'Église. Il faut une triple vision céleste à Pierre pour qu'il se rende à Césarée, chez un centurion romain, un païen craignant Dieu qui l'a fait appeler après avoir reçu la visite d'un ange dans sa prière. Et Pierre et ses 7 compagnons osent entrer chez lui et lui parlent de Jésus. Et pendant qu'ils le parlent, non seulement à lui, mais à toute la famille qu'il a rassemblée, l'Esprit vient regarder les petites flammes au-dessus des têtes sur les participants. Corneille, sa femme, les soldats. Et Pierre se dit, on ne peut pas ne pas baptiser des païens qui viennent de recevoir l'Esprit. C'est le premier baptême des païens. Quand il est de retour à Jérusalem, il doit se justifier. Pendant ce temps, d'autres partent en direction d'Antioche, etc. Mais les persécutions continuent et Jacques, le mineur, qui
était responsable de la communauté, est décapité. Vous voyez la petite couronne qu'il reçoit du ciel pour son martyre ? Pierre est emprisonné, mais un ange le libère. Cependant, il doit quitter la ville. Pendant ce temps, la parole est arrivée jusqu'à Antioche de Syrie. Et elle a tant de monde pour l'écouter que Barnabé, un des soutiens des apôtres, rejoint Antioche et là, il appelle Saül, qui est reparti à Tarse. Et les voilà qui enseignent quelque temps tout autour avec la communauté d'Antioche. Mais les anciens, éclairés par l'esprit, vous voyez l'esprit là au-dessus de la tête ? Ils envoient Saül et Barnabé en mission. Et c'est le départ pour un grand voyage. Un grand voyage qui va faire plus de 6000 km à pied. Je pense que Paul devait avoir de très bons pieds. Là, Barnabé et Paul arrivent à Chypre. C'est le pays de Barnabé. Et ils sont jusque chez Sergius Paulus, qui est le responsable romain de l'île. Et là, il cherche à le convaincre, mais un vilain magicien veut le détourner. Ouh, le voilà aveuglé par Paul, et Sergius Paulus se convertit. C'est là que Saül prend son nom de Paul. Saül, c'est un nom hébreu, et Paul, c'est un nom latin. Il va être reconnu comme ça dans tout l'Empire romain, ce sera plus simple pour lui. Il va continuer, mais il n'est pas toujours bien reçu. Parmi ses nombreuses étapes, il va s'arrêter à Éphèse, il y restera 3 ans. Que tous ceux qui font acte de magie vont brûler leurs livres, il paraît que cela représentait une somme faramineuse. Simplement, il y a tant de païens qui se convertissent qu'il y a une grosse question. Tous les apôtres sont juifs, Jésus était juif. Or, les juifs suivent une loi, et en particulier les hommes sont circoncis dès la naissance. Presque. Et la question se posait, les païens doivent-ils se faire circoncire pour suivre la loi du Christ ? Paul était contre, et ceux de Jérusalem étaient pour. Donc on se retrouve tous à Jérusalem pour en discuter. Et finalement, l'esprit les éclaire, non, les hommes n'auront pas à être circoncis, et simplement, les païens convertis devront se garder de l'impureté et des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, Paul repart avec cette force de l'Assemblée de Jérusalem. Il n'est pas toujours bien accueilli, mais il continue à parler. Simplement, quand il revient une nouvelle fois à Jérusalem, en portant d'ailleurs de l'argent pour la communauté, il est arrêté par des juifs qui sont très opposés au christianisme. Il est mis en prison et il doit sa vie aux Romains, en quelque sorte, qui l'empêchent d'être lynché. Et voilà qu'il est emprisonné à Césarée. Et là, il comparaît devant Agrippa et Festus, qui, après avoir passé 2 ans en prison, qui vont le conduire jusqu'à Rome. À Rome, où il va retrouver Pierre, d'ailleurs, et ils seront tous les deux mis à mort sous Néron. L'un crucifié la tête en bas, c'est Pierre. Et l'autre décapité, alors non pas à la hache, mais à l'épée, hein. Ça, sans doute, c'est Paul. Tout à fait à droite, vous avez le martyr légendaire de Jean, qui aurait été jeté dans une marmite d'huile bouillante. Tout en haut, vous avez des pères de l'Église, Saint Jérôme, docteur de l'Église, qui a traduit la Bible de l'hébreu en latin, Saint Augustin, qui a beaucoup apporté, beaucoup réfléchi, et puis des saints inconnus qui représentent la quantité incroyable de saints qui ont réfléchi et qui nous ont transmis la parole. Voilà, c'est un vitrail magnifique que vous allez pouvoir contempler dès la fin du confinement et qui vous aura peut-être donné l'envie de lire ou relire les Actes des Apôtres. Et à gauche, c'est un grand mystère. Il a été proposé le martyr de Jacques le Mineur, dont une tradition dit qu'il a été précipité du haut de la terrasse du temple. Mais ce ne peut être lui qui tombe, sans auréole, avec un diable. Alors, eh bien, je vous invite à chercher avec moi. Et je suis preneuse de toute solution étayée à cette énigme.